fait à manger maison pour 150 personnes. Voilà, c'est ça. Noisette de beurre. Une petite noisette. Hein. Il aime bien le pain d'épices, les élèves, là, ils accrochent bien. Les caméramans. Oh, il est tout chaud. Ouais, le sauté de porc au miel. Parce que tu fais des burgers maison, ça avec, ouais, pour 150 personnes. Ouais, et les vrais goûts des choses, quoi. Énorme. Bonjour, moi c'est David Laborier. Je suis en place ici depuis 1998. Attention, coup de vieux. Au nouveau lycée Tout Neuf, comme vous avez vu, beaucoup de local, circuit court. Puis on a fait un système de salade bar, donc c'est à volonté. C'est été, on passe aux salades. Nickel. Merci. Oui, à bientôt. Ça c'est les côtes de porc des Combrailles pour la semaine prochaine. C'est juste à côté là, donc c'est circuit court plus. T'arrives à quelle heure maintenant du coup pour... 6h. 6h. Ouais, le porc des Combrailles qui cuit. C'est tout assaisonné, il reste juste le miel à mettre, quoi. Oh, il y a du monde. Ah ouais, ça fait de la qualité là. Voilà mon pain d'épices, moi je fais. C'est une recette personnalisée. Que je dis pas, ça reste top secret. Mais il aime bien le pain d'épices, les élèves là, ils accrochent bien. Après, les petits plats de David, les petits gâteaux, franchement c'est super. Ouais. Est-ce qu'il y a des plats que tu peux pas faire pour 150 personnes? Non, tout est possible. Si on fait un hamburger maison. Ah ouais. Au Saint-Nectaire, il voit la différence, quoi. Ils vont prendre des études, ouais. Les caméramans. Merci. Bon, ils arrivent, ils prennent leur plateau. Plateau avec le logo de la région, quoi, une fois. Ouais, ils prennent une assiette et alors on fait un salade bar à volonté. Et une fois qu'ils ont mangé, avec la même assiette, ils reviennent chercher le chaud. Et pour lutter contre le gaspillage. Et après, une fois qu'ils ont fini de manger, ce qui est sélectif à faire, quoi. Et du coup, on fait du compost. Donc, on récupère tout ce qui est alimentaire pour mettre. On fait du compost là-bas. Il y a 3 ans, ils mangeaient encore sur table de 10. On a amené des plats sur table. Le gaspillage alimentaire, on l'a divisé par 5 ou 6, quoi. Bonjour. Salut tout le monde. Chez Mazeron. Voilà, ils nous livrent les patates des Combrailles. Qui sont produites juste au-dessus, à 4 km à vol d'oiseau. Et voilà pour cette fois. Merci. Rajoutez le miel pour le sauté de porc au miel. D'accord. Et moi, je vais attaquer la purée après, derrière. Et ouais, parce que mine de rien, il est... Elle, elle leur tourne. Il est 11h15. Et les gamins, s'ils ont rien à manger... Ça va gueuler. Où sont les poulards? J'ai faim. Un peu de beurre. Un peu de beurre. 150, bah ouais, mais vous vous rendez compte pour la masse? Une noisette de beurre. Une petite noisette, hein. C'est la louche la plus grosse que j'ai jamais vue de ma vie. Ah ouais. Tu manges juste une louche. Pas une louche, une brouette. Ça, c'est du pain du boulanger d'à côté. Est-ce que tu peux faire craquer le pain au niveau du micro, là? Seuls certains grands pains sonnent comme ça. Sauté de porc au caramel, moi caramélisé au miel, pour être exact, et la purée maison. Et voilà, une assiette type, quoi. C'est l'assiette des Combrailles. Ouais. La région fait tout pour. Ouais. C'est vrai que vous avez aussi sur vos tabliers. Votre assiette, c'est la politique de la région, quoi. Et... C'est un signe de qualité. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mon matériel, c'est eux qui ont financé tout ça, de toute façon. Plein de plats différents à goûter, et on mange bien, l'ambiance est bien aussi. Ouais. Tu peux être honnête, hein, si tu veux. Si t'es dégueu, tu peux dire. Ouais. J'ai pris de la purée et un soufflé au fromage. Ok, c'est bon? Oui. Il y a le tri pour le pain, déchets plastiques, que les serviettes comme ça, parce qu'elles, elles sont recyclables. Tout ce qui était recyclable, du coup, on pouvait le recycler et ça faisait moins de déchets pour le lycée. Le pain, du coup, on le fait sécher pour le donner aux lapins, enfin à tous les rongeurs du lycée. Donc, ils récoltent tous les bouchons, ils les revendent et ensuite, ils achètent pour les handicapés, donc des fauteuils, des béquilles et tout ce qui va avec. Et nous, du coup, on fait un concours dans le lycée par classe. On a un goûter. Okay. Ouais. On a un goûter, c'est celui qui gagne. Tout le monde est content, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu le fais aussi, pour que les élèves soient... Bah voilà, quoi. Quand tu vois que tout le monde rigole et tout le monde est bien, et voilà. C'est un moment de se retrouver, le repas, c'est détente et tout. Ils m'ont dit, David, il est incroyable, quoi. Ouais, bah c'est cool. C'est vrai, je te jure. C'est cool. Bah voilà, ça paye. Ça paye, ouais. Ouais, c'est cool. Abonne-toi.